Alors, quel est le programme? Eh ben, on va pour le moment à Branferré. Il est 10h. Dans une heure, il y a le spectacle des oiseaux, donc on va pas qu'on tarde. Après, on va visiter le zoo. Voilà. Et puis ce soir, après, je sais pas où. L'Agacilly, la Roche Bernard. Ouais, l'Agacilly, l'aire de camping-car, il est vraiment pas terrible quoi. Alors la Roche Bernard, j'ai repéré un endroit assez sympa. Enfin bon, vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Générique. Voilà, on arrive. Oh bah. Bah dis donc, tu pourrais te retenir quand même. Coucou. Ici en mer avec le fond rouge, Ara Militaire, Samba qui va sûrement nous coller un petit peu pendant le spectacle, ne vous étonnez pas, elle nous adore. Ici en bleu et jaune, le Ara Ararona, Paya, une petite jeune elle aussi, elle va sûrement faire pas mal de bêtises avec les deux Ara Macao là-bas, on verra bien. Et nous avons les Ara Chloroptères, rouges avec les ailes bleues et vertes, Mano et Nina. Avec Gaël là-bas, les plus vieux Ara du spectacle. On les trouve en Amérique du Sud. On va trouver des espèces différentes en fonction des régions. Mais la plupart vivent dans la forêt amazonienne.
Pour info, Diego, il a passé quelques années au Puy du Fou avant d'arriver ici. Il avait été dressé à monter sur la tête des gens. Un petit réflexe qu'il a gardé de temps à autre. Il suffit qu'une tête avec une belle casquette se présente à lui pour qu'il se pose dessus. Un vrai petit coquin. Alors sachez que c'est le doyen ici à la volerie. Il a à peu près 28 ans maintenant, Diego. Les faucons caracara vivent une trentaine d'années en moyenne. Ouh, joli vol de hare. Donc du coup, c'est un papy. Mais il a encore plutôt la pêche. Ce qui nous fait bien plaisir d'ailleurs. Regarde, je t'en prie, assieds-toi sur ma main, hein, ton petit. Là. Souvent, il a mauvaise réputation, cet oiseau. C'est quoi? Un vautour. Un vautour, voilà. Il a mauvaise réputation parce qu'il se nourrit de... viande morte, voilà. On trouve ça sale, ça nous dégoûte. En plus, il a un regard un petit peu agressif, un air renfrogné qui nous déplaît. La tête déplumée. Bah, on n'a pas de verre. J'ai plus de force ce matin. Tu vas voir la dame? Donc tu peux monter sur le bloc aussi, il est trop mignon. Nos cigognes blanches. Elles sont carnivores, les cigognes. Elles vont manger des rongeurs, des amphibiens, aussi des poissons. Mais ce qu'elles préfèrent, c'est des vers de terre. Elles vont en manger de grosses quantités. Ah ouais. D'ailleurs, leur bec pointu leur permet d'aller creuser dans la terre pour les débusquer. Et puis, il y a des grosses bêtes qui sont arrivées. On fait sensation d'ailleurs, comme d'habitude. Vous savez ce que c'est? Ceux qui sont avec Gaël là-bas. Les pélicans, exactement. Les grands pélicans blancs. Pour ceux qui sont avec Gaël là-bas. Et près de vous, de l'autre côté, ici, nous avons un petit pélican gris. Qui va rejoindre Gaël également, d'ailleurs. Mais où sont les autres? On a 5 pélicans blancs, il n'y en a que 3 là-bas. Ça y est, ils commencent à être feignants. Ah oui, j'en vois là-bas sur le toit des volières. Alors, nos pélicans, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. C'est bien assis aussi. Et c'est mes doigts, ça. Bon, mais... Ça mange quoi, pélican? C'est immense. C'est trop facile, des poissons. Il n'y a qu'à regarder le bec. Une poche faite pour attraper les poissons. Une poche très, très élastique. Qui va s'étendre et pouvoir contenir de grosses quantités de nourriture. Ça peut aller jusqu'à 5 kg de poisson dans la poche ou 12 litres d'eau, au choix. Un petit crochet au bout du bec qui va permettre aussi d'agripper les poissons et surtout de les retourner dans le bon sens pour l'avaler dans le sens des écailles. N'hésitez pas à revenir nous voir, on a encore deux spectacles cet après-midi à 14h30 et 16h. Et puis bah, merci à tous d'être venus nous voir ce matin. Bonne journée. Oh la bait, c'est immense. On voilà. Continue? C'est une bonne tête. Hein. Allez. La bonne tête. Voilà. Pour une voilà. Fois, on les voit. Totalement immense comme bestiaire. Donc les plis là, ça fait vraiment. On dirait la carapace comme dans la planète des singes. On va regarder un peu le. Du monstre. C'est immense. Combien de tonnes ça fait? Oh, c'est possible. Rhinocéros. C'est immense. Coucou Pépère. Alors tu nous la chantes la chanson, Clément? Serre, serre, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Oh.
Viens, il nage à l'envers. Oh. Oh, c'est hyper drôle. On dirait moi, hein. Nage bien. Alors, ça, c'est chouette. C'est beau. Ouais. Clémence, t'aimes bien les phoques? Ouais. Les manchots de Humblot. C'est des manchots. Ah ouais, elle ne fait pas trop tard. Oh là, il y a de la bagarre. Oh, il y a de la bagarre. Viens, on va aller voir. Ils sont en train de se batailler, on ne sait pas pourquoi. Ah, il y a baston, là. Il y a un problème dans le coin là-bas. Ah mais il veut se la faire surtout. C'est ça, en fait c'est un accouplement de pingouins, de manchots. Ouais c'est ça. Ah il y a un problème de femelle. Ah ouais on assiste à un accouplement. Il est en train de lui monter dessus. Non c'est plus. Si c'est ça. Hein. Oui c'est ça, Jeanne, ils se font un câlin. Ah, il y a des lémuriens. Tu les vois? Regarde, il y a des lémuriens. Ils sont jolis. Regarde. Maman, regarde. Oh, c'est trop mignon. C'est quoi? C'est trop mignon. Allez, faites-nous un petit spectacle, là, les gars. Déjà. Allez, bon, bah, c'est reparti. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on arrive le matin, du coup, ils nous font le petit badge, on le voit, oui. Ce qui fait qu'on est retourné au camping-car. On est retourné au camping-car pour déjeuner, voilà, ouais, gentiment. Ça. En fait, ils interdisent même de pique-niquer dans le parc. Ah, on n'a pas le droit de pique-niquer dans le parc. À bouffer dans leur resto. Ouais, mais le resto, bon, c'est pas génial. C'est pas hyper cher. Pas mais non, 8,90 le plat. Ah, ouais, enfin, 9 plat. Euros, quoi. 9 ah, euros, ouais, un pauvre plat. Fait, t'en as pour faire, voilà. Donc allez, c'est reparti. Rentrer au camping-car, manger. Et là, c'est reparti, direction les Flamants Roses. Allez. Go, go, go. Il y a une petite brise en fait. Trop sympathique. Voilà, hop. Oh, ça fait un bruit bizarre. Hein. Alors, eux, ils sont plus roses que les autres. Peut-être qu'ils sont plus vieux, je sais pas. Il doit y avoir un truc expliqué. Ils discutent tous, Chamaï. Ouais, peut-être pour. Ah, c'est un bec étonnant. C'est lourd. Il lui a mal parlé, peut-être. Ah, les siamans, ils sont là. Allez, montre-nous comment t'escalades, comment tu grimpes. Oh oui, regardez les singes là-bas. Les voies par terre, sont bien loin. Ça, c'est des gens de gibbons aussi. Je sais plus. C'est des. Mais on peut faire le tour de l'île en fait. Pas beau, hein, ces bestioles. Ça vit en Amérique du Sud. Ah, un cochon d'eau. Ok. Ah ouais. Eh ben vous êtes gros, hein, les gars, là.
Magnifique la couleur. Hop, si je zoome, je sais pas trop trembler. Tu vas fatiguer, c'est tout. Ça me fait fatiguer à part que tu n'as. Ah bah oui, c'est ça. Le museau. Oui, désolé, il n'a pas à manger. Pour. C'est vraiment pas beau. Mais plus de son côté, parce que sinon... Mais à l'autre, parce que lui... Le cochon sauvage. Il semble. Oh, me voilà dans les filets du parc à bout. Parc à bout. Ah. Ah ouais, hein, faut avoir les cuisses solides. Oh. Il y a des bébés aux cruches. T'as vu le petit bébé aux cruches? C'est pas des bébés aux cruches. C'est des faisans. Je les avais pas vus. Tu restes derrière la corde. Oh, c'est bon ça. Oh, une carabine. Oh, la girafe, si on allait la voir de plus près par là. Alors, tout le monde vient nous voir. Qu'est-ce qui t'arrive, l'autruche? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Allez, viens, Jeanne, on va faire la plaine africaine, là. Après, on va revenir par les jupons. Et puis après, ce sera fini. Ah bah! C'est quoi la plaine africaine? Qu'est-ce que ça fait, Clément? Voilà, ça sonne la fin de la visite. Donc je me suis trompé, c'est pas vraiment un zoo, hein, bon, c'est plus un parc animalier et ornithologique. Voilà. Alors, on a essayé de voir le loup, mais le loup n'est pas là. Et voilà. Avant la fin quand même, j'ai filmé les buffles et les dromadaires. C'est rigolo, on entend toutes les langues. Hein.